Demain on part sur une nouvelle couleur, voilà, ça y est, la couleur est complètement dégorgée. Donc demain une nouvelle couleur, je sais pas ce que je vais faire encore, mais j'ai une petite idée. On va partir dans le sale. Hein, chers, désire-moi. Hein, tu reconnais plus ton mari? Il change de coupe comme deux cheveux, ça va m'emmener, je suis contente de toi, sois bien contente que je change juste de coupe. Je pourrais changer de femme aussi. En boîte de nuit. Ça. Qui? Toupie. Toupie? Toupie. Quoi ça, Mylon? Quoi? Coucous? C'est le coucous? Couscous. Coucous. C'est le coucous de la mamie à Linda. Merci Linda. Au sein. Je vous explique le topo là. Là on est rendez-vous, on espère que tout va bien se passer. Ouais. Cheveux corail. C'est le top. Voilà, là il y a les jumelles, Marine et Océane, le top. Bon, voilà, on rentre de l'hôpital. Ça stagne. Rien d'alarmant, rien de comme d'hab. Voilà, donc assez bien, on est content. Elle tient encore. Lundi on sera à 30 semaines. Après, ça sera un déjà gros cap. Après, il restera 32, ça sera un autre cap. 34, top. 37, on sort de la prématurité magique, il la déclenche. Donc voilà. Donc en espérant qu'elle va tenir le plus longtemps possible encore. Donc ça va, rassurer. Voilà, donc on est parti sur un petit orange corail, rosé saumon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas je suis content, c'est pas mal, j'aime bien. Ça fait pour l'été, ça sera bien. Enfin pour la prochaine semaine quoi. Après les casquettes, hein. J'ai droit au saut sur la tête. Hein. Voilà, merci Mylon. Hein? Merci Mylon. C'est une casquette ça? Non, c'est un saut. Un saut. Mais ça va pas sur la tête le saut. Tête. Tout est bon à mettre sur la tête, hein, mon fils. Allez. Oh, en plus, il va jamais très très délicatement. C'est bon comme ça? Waouh! Ma citrouille! Regardez-moi. La sortie à ma combi. Tout ça parce qu'il m'aime trop. C'est dingue. Enfin, c'est terrible de m'aimer autant. Mais comment tu sais que je t'aime autant? Tu préfères moi ou les boîtes de nuit? Les boîtes de nuit. Ah, par contre, vous me gonflez parce que vous avez pris un bout de ce que je vous ai dit la dernière fois en pleurs et vous en avez fait toute une histoire, alors que le vrai fond du problème de pourquoi je pleurais, c'était parce qu'il me restait plus que la moitié de mon col. Moi, je me suis démonté gratuit. De toute façon, tu mérites de te faire démonter. Voilà. Et à la base, il est parti en boîte de nuit, il aurait dû m'envoyer un message, chérie, je m'envoie. C'est Jamel qui conduisait. Oui, c'est Jamel. Il est allé direction la boîte de nuit. Tu veux que je le tabasse? Tu veux que je le tabasse? Oui. Le fond du problème, je m'en fous qu'il sorte. Je suis la première à dire avant un tournage, fais ci, fais ça, je m'en fous. C'est juste de me prévenir. Prévenir sa femme. Petit texto. Après, en soi, je l'empêcherai jamais de. Je vais jamais le clouer au lit à côté de moi. Non, mais j'irai plus jamais de façon de ma vie entière. De toute façon, j'aime pas les boîtes de nuit. De toute façon, tu es complètement puni en fait. C'était quand j'étais en France. Bon, sinon, on était à mon petit rendez-vous. J'ai Nico. Bon, mon col est toujours raccourci. Hein, il va pas repousser de toute façon. Mais sinon, je suis stable. Donc, pour l'instant, on est sur de la stabilité. Il faut attendre quoi, de toute façon. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après, et la semaine encore d'après, et puis jusqu'à ce qu'un jour madame elle sorte. Et on espère le plus loin possible. C'est rigolo parce que pour la grossesse de mon fils, mes grossesses elles ont rien à voir, que ce soit dans les envies, que ce soit dans la grossesse en elle-même, que ce soit dans les problèmes, c'est des problèmes différents, que ce soit dans tout, elle a rien à voir. Et là c'est vrai que du coup, ben, autant que la grossesse de mon fils, Mylon, j'avais envie de couper les cheveux, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai coupé au carré, autant que là j'ai envie de les avoir encore plus longs. J'ai envie de les avoir longs jusqu'en bas du dos. N'importe quoi, je vous jure. Vous m'avez dit qu'il faut couper un petit peu. Ben oui, je sais bien, mais bon, je vais pas aller chez le coiffeur. Donc du coup, ben voilà, je laisse comme ça. J'utilise un oreiller en soie pour éviter de les abîmer. Mais bon, à un moment donné, j'ai tout le temps la tête qui frotte à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc forcément, ils s'abîment toujours un peu au niveau des pointes. Mais voilà, je ne vais pas les couper. J'ai envie de les laisser pousser.